Shalom, shalom. Shalom, shalom. Eza émission munene boyokanga. C'est votre grande émission, écoutez-moi. Oyo bazolo bana évangéliste Mudiangomba. L'émission que bolandaka tangonyos. L'émission qui est présentée par l'évangéliste Mudiangomba que vous suivez à tout moment. Naibike tozo sala émission oyo boyokanga. Je sais que nous faisons cette émission. Écoutez-moi. Ona matisa ondima na katia bato balemba. L'émission qui a pour but de remonter la foi de ceux qui sont affaiblis. Parce que eloko esala ki ke bon monanga boye banga ezaki kontima. Ce qui a fait que vous puissiez me voir et m'entendre, c'était la foi. Naibike bosi na sila talisi bino kondima ndenge ezongisaki nga bo moto ndenge balisinga ndenge pesibana. Je sais que l'autre fois, je vous ai montré comment la foi a produit des effets en moi. J'ai trouvé une femme, j'ai eu des enfants, je vous avais montré tout ce que la foi avait produit dans ma vie. C'est pourquoi la je peux pas... Jésus-Christ. C'est pour cela que je ne peux pas rester calme, je ne peux pas me taire. Je dois vous montrer les œuvres de Jésus-Christ qui travaille en Papa Olesa, qui est en train de faire dans ma vie. Je vais vous montrer aujourd'hui une sœur. Lorsque elle avait vu, lorsque je m'étais marié, ce qui s'est passé. Elle avait obtenu la foi. C'est qui cet homme? C'est une fille qui était née chez elle. Elle était sans bras, elle était sans jambes. Lorsqu'on parlait d'elle, on disait que le jour où on l'a enfantée, son père s'était décidé à la jeter dans l'eau. Comme toute mère, elle a toujours eu la douleur d'enfantement, elle a toujours eu la douleur pour ses enfants, comme l'enfant était né comme un tronc d'arbre. Parce que moi, c'était quelque chose qui provoquait la honte. Il n'y avait pas moyen qu'elle puisse rester à l'extérieur ou bien dehors avec les autres. Elle devait seulement être cachée dans la maison. C'est alors lorsqu'elle a appris que Pasteur Wallace a prié pour quelqu'un et cet homme s'est marié. En ce temps-là, elle avait déjà à peu près 40 ans d'âge. Mais lorsqu'elle a entendu, comme je vous dis que l'émission Écoutez-moi, c'est une émission qui a été créée par les gens qui ont été créés par les gens qui ont Jésus-Christ. C'est une émission qui a pour but de ramener le cœur des gens vers Jésus-Christ. Lorsqu'elle a appris que Wallace a prié pour quelqu'un, un homme qui était délaissé, un homme qui était impuissant, rien n'était chez cet homme. Et lorsque le pasteur a prié pour la personne s'est rétablie. Et la personne trouve aussi la grâce d'avoir une femme aussi, d'avoir des enfants. C'est à partir de cela que la femme a obtenu la foi. Je parle concernant la foi. Dans les choses de Dieu, Dieu n'est pas content lorsque la personne n'a pas la foi. Elle a obtenu la foi. Elle a dit à sa mère, je refuse la vie de rester caché dans la maison. Amène-moi auprès de cet homme qu'on appelle Pasteur Walesa. C'est lui qui a prié pour Mudiangomba. Et Mudiangomba s'est marié. Il a aussi eu des enfants. 75. Et où est Mouenda? Celle-ci, c'est sa mère. This is a mother. Bonjour, 75. Elle est née en 75. She is born in 1970. Est-ce que on pose à notre sœur la question de savoir quoi des règles répond réellement je fais des règles. Comment tu t'es ma mère m'aide à faire cela. Je suis Mephibosheth abandonné, alors j'ai trouvé grâce auprès de Dieu. C'est lui celle qui saura ce qu'elle peut faire de moi. Yes,
Dieu, Jésus m'aime réellement parce que je vis son amour à travers son serviteur Eva Claude ainsi que tous les hommes de Dieu. Ne m'abandonnez pas, servez le Seigneur à travers moi, ne m'abandonnez pas, je suis l'une de vôtres. Mes frères, c'était terrible. Lorsque la maman transportait sa fille sur le dos, elles sont entrées chez le pasteur Walesa. Lorsqu'on l'a fait descendre, elle a salué pasteur Walesa. Elle a dit à papa Walesa ceci. Malgré mon état, mon père allait me jeter dans l'eau. C'est ma mère qui m'a sauvé. Je reste toujours caché dans la maison. Je n'ai pas d'espoir. C'est pour cela que je suis venu. Parce que j'ai entendu que tu as prié pour Moudiangomba. Et aujourd'hui, Moudiangomba est une maison. La femme de Moudiangomba a mis au pied. C'est pourquoi je suis venu. Tel que je suis capable. Dès que si tu pries avec la foi que j'ai, ce que Moudiangomba fait réussi, je vais aussi me marier. Les gens verront si je vais mettre au monde. Lorsque mon papa a laissé sortir de sa maison, il a regardé la personne. Il pensait que c'était un tronc d'arbre. Lorsqu'il a bien regardé, or c'était une personne. Lorsque la femme a vu Pasteur Wallace à sortir, elle a dit à Pasteur Wallace, je ne quitterai pas ce lieu. Je ne quitterai pas ce lieu sans que tu puisses prier pour moi afin que je puisse aussi me marier. Après, papa a prié pour elle. Suivez maintenant. Suivez maintenant lorsqu'on avait amené cette sœur à l'église. Lorsqu'on l'avait fait entrer, on l'avait porté comme un tronc d'arbre. Dans toute l'église, c'était la toute première fois de voir une telle personne. Papa allait s'est mis à prier pour elle. Le pasteur qui pleurait. Moi je pensais que j'étais le plus mauvais dans le monde entier. Lorsque j'ai regardé cette femme, lorsqu'ils sont entrés avec elle dans l'église, elle était comme un tronc d'arbre. Moi-même j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, lorsque j'ai regardé cette femme, je me suis étonné, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai regardé mon cas, par après j'ai comparé au cas de cette femme-là. En tout cas, j'ai dit merci Seigneur. Cela m'a dépassé. Et ça aussi remonté ma foi. Parce que ce que nous vivons, cela peut te pousser à augmenter ta foi. Afin que Jésus-Christ puisse produire des choses en toi. Après vos colandes, c'est ma prière. Vous allez suivre après la prière. Vous allez suivre ce que Jésus-Christ, le Dieu de Walesa, a fait dans la vie de cette femme. Bolanda. Suivez maintenant. Voilà. Chose étonnante. Après la prière. Il y a papa Walesa. Le papa Walesa. Après avoir prié pour cette femme. Il y avait beaucoup des hommes qui la suivaient. Je le voyais aussi. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Donc tel que je suis là. Lorsque le pasteur avait prié pour moi, j'ai compris qu'il avait déversé l'onction sur moi. Et cette onction, c'est celle qui est aussi déversée sur cette femme. C'est pour cela qu'il y avait les hommes qui la suivaient, même les hommes mariés, et on se posait des questions. Mais c'est quoi ça? On commençait à choisir maintenant quel homme qui pourrait épouser cette femme-là. C'est parmi ces hommes-là, Dieu a fait grâce qu'il y a un homme qui s'est porté garant pour épouser cette femme. C'est alors que Paul est devenu leur parrain. Et ils sont partis jusque dans la maison de la femme. Parce que
Parce qu'elle était la première dans sa famille de faire entrer la dot chez elle. Ses grandes sœurs, ses petites sœurs, d'autres ont été engrossées, enfantées comme ça. Il y avait personne qui pourrait faire entrer la dot dans une voie normale dans la famille. La fille était la première d'avoir fait entrer la chèvre dans leur maison. Parce que chez nous, dans notre coutume, lorsque la fille fait entrer la chèvre dans la maison, cela veut dire qu'elle a honoré ses parents. Et la chose en question a bougé. Et j'avais vu que ce cas-là avait même dépassé le mien. Toute la ville a bougé. Même les autorités s'étonnaient. C'est quoi ça? On n'a jamais vu une telle chose. Lorsque les gens s'étonnaient, ils disaient que la seule personne qui pourra faire de telles choses, ce n'est que les dieux de Walesa. Après Bolanda, par rapport, vous allez suivre ce qui s'est passé. Comment as-tu dit? J'allais chez elle, j'ai causé avec elle pendant tout ce temps-là. J'ai repassé pour elle les habits, je les nettoyais, je faisais aussi certaines bonnes œuvres pour elle. Et si tu as fait un bout de bonzambi, vous n'y dites que maintenant, mon dinzambi. Ça, c'est la gloire qui doit revenir à Dieu. Mon cœur battait au-dedans de moi. Et j'ai senti qu'il fallait me marier. Et Dieu lui-même a confirmé que je devais entrer en mariage avec elle. Je vais faire une question. Je ne sais pas si tu as fait un bout. Famille Pelobi, nous avons tout été au moi, c'est mais maman n'a pas été à Zali à l'obité. Nous avons la guise à l'obité. Nous avons la guise à l'obité. Nous avons donc, depuis la botte, nous avons la guise. Amen. Après avoir versé la dot, ils ont cherché leur maison. Et la femme ainsi que son mari étaient partis chez eux. Ainsi que la bande qui aidait aussi la femme. Après avoir entré dans leur maison, ils ont invité le pasteur Walesa afin de le faire entrer dans leur maison. Ils ont préparé à manger pour le pasteur, le fretin ainsi que le légume. Ma femme était partie pour me représenter avec pasteur Walesa. Parce que moi j'étais empêché. Bolanda. Suivez les images. Soloba, t'as la fille, moi, dans ma moi, si à une minute, à Zananda Kunaye, à Mobali, à Kekolia, à Kunaye, moi, si à Bando Kolia, à Batouté, Batché Bilor à Kolia, moi, si à mon amour, Bokonaye, Katana, ce qu'on est à Monisco, première fois, à la monde, à moi, si à Zolia, Tolie, à mon Akatiandaku, à Kotinanda Kunaye, à Mobali, Mobali a pèsé bise. Donc, depuis à Botamana, à Zoka bise. Amen. Pour blanc ça dans les faubettes, pas secouler mon loco. Au moment d'azo secouler, n'attend pas secouler mon loco. À Bongisie. Bazana muto musala ndazaka cha kubungisa bango azola malaka cha ndako bazolia na mobali anazo elekelinga po apesi mbongo na kina coach pe na ndako na bango na kuti ba pesi biloko kolia akamati mwa loboko na kokuona atesko na fufu siko akamati na soyi wana atesko na munoko alie oh ngape na zolia to zolia na ye complexe ezate azo sala fier na mobali na Mbombo Vero ou évangéliste Claude ba memela kiye azalaki lokola eteni ya nzete maboko ezate makolo ezate abonde li pona sœur wana mobala liboso ayé évangéliste Talia monye le mbona nzambe te amen mona mwasi le puis abota ma bibi zite kacha kacha to wana ezama ka mwanzanga amen ezama ka mwanzanga. C'est pour cela, mes bien-aimés, une telle chose,
Si tu regardes une telle chose et tu remontes par ta foi, ça va beaucoup m'étonner. Malgré tes situations, malgré tes maladies, même si le docteur a déclaré que c'est une maladie incurable, devant Jésus-Christ, il n'y a aucune situation qui peut le faire étonner. Il n'y a rien qui peut étonner Dieu. Regarde une telle personne. Regardez ce niveau. Mais toi, toi qui souffres, applique ta foi. Le Dieu doit aller s'agir. Les gens sont guéris. Les gens des cancers. C'est là qu'il manquait de documents et ressources. Qu'est-ce que tu peux voir que ça peut dépasser Dieu?